Sébastien Bargnaud était avec les Lions indomptables du Cameroun. Cédric De Gruzon au cœur des éléphants de Côte d'Ivoire. C'est le doc ce matin de Téléfoot. Merci à la Côte d'Ivoire. On espère qu'ils seront réunis comme nous on s'est fait là. Comme nous on s'est battus tous ensemble. On espère qu'un jour on se retrouvera tous comme ceci. Ivoiriens, Ivoiriennes, du nord et du sud, du centre à l'ouest. Vous avez vu, on vous a prouvé aujourd'hui que toute la Côte d'Ivoire peut cohabiter, peut jouer ensemble pour un même objectif. Se qualifier pour le mondial. Vous nous avez promis que cette fête allait rassembler le peuple. Aujourd'hui, on vous demande, s'il vous plaît, on se met à genoux. Tous. Le seul pays de l'Afrique qui a toutes ses richesses ne peut pas sombrer dans la guerre comme ça. S'il vous plaît, déposez toutes les armes. Faites les élections, organisez les élections et tout ira du mieux. Hey, we are in World Cup, my man. Yeah. Oh God, we have to speak. We have to speak. Thank you. When can I come back? On Thursday, huh? Possible? Thursday morning, I'm. I'm in the training ground. On Thursday, because we are going to Abidjan, you know. So on Thursday, I'm in the training ground. Okay. Thank you very much. Thank okay. you. Thank you. Thank you very much. Mon ami ne te décourage pas. Car un jour ça va aller. La Côte d'Ivoire n'avait plus connu cela depuis 1992 et le titre de champion d'Afrique, plus d'un million de personnes dans les rues d'Abidjan. La communion est totale entre les joueurs et un peuple dont le football est la seule lueur d'espoir dans une crise politique qui perdure depuis 2 ans. Un détour par la présidence pour saluer Laurent Gbagbo. Ces éléphants sont en train d'écrire l'histoire, leur histoire.